Bonjour, bienvenue au Moulin de Gémage. Vous êtes sur un domaine de pêche à la mouche assez vaste. On est sur 15 hectares, il y a 12 plans d'eau, 3,5 km de périmètre de berge et une grande diversité dans la configuration du site. Un coup, vous êtes entre plans d'eau, chenaux, bièves de moulin, lac, avec 200 mètres cubes d'eau qui traversent l'ensemble. Donc tout ce parcours est très couranté, avec des courants de surface, des courants de fond, et ça dynamise énormément la pêche. Au niveau du site, deux types d'eau alimentent le parcours. Des eaux de captage, qui alimentent toute la partie amont du site et qui permet d'avoir la même régularité thermique et physico-chimique de l'eau, pour idéalement pêcher un peu plus à vue, avoir beaucoup plus d'éclosions et quelles que soient les précipitations, d'avoir toujours la plus grande partie du parcours qui est pêchable. Même si en plein hiver, la rivière peut être en crue, toute la partie amont et jusqu'à à peu près cette partie-là, tout reste pêchable avec des eaux qui sont dans de bonnes conditions pour pratiquer notre discipline. La partie aval du parcours, elle, est alimentée par l'eau du bièvre du moulin, qui vient donc de la rivière La Coudre, un affluent de l'Huisne, et qui vient dans ce petit canal et qui alimente les plans d'eau du bas, où là on suit les aléas climatiques, au niveau des précipitations et puis au niveau des turbidités d'eau. Par contre, vous avez différents degrés de difficulté qui sont basés sur la taille des parcours, la profondeur, la densité de poissons, puis l'accessibilité au niveau des arbres. Idéal pour tous les niveaux de pêcheurs, qui est des pêcheurs débutants ou plus confirmés. Donc il y en a un petit peu pour tous les niveaux et c'est l'essence même de ce parcours où quand on l'a créé il y a à peu près une vingtaine d'années, on ne voulait pas faire un seul lac, mais justement un parcours très diversifié pour que tout le monde s'y retrouve. On peut se faire plaisir avec des petites cannes rivières, comme on peut aller faire des lancers à très longue distance avec du matériel plus lourd pour des lancers en double traction sur les plus grands parcours. Au niveau de la population piscicole du site, vous avez 8 espèces de salmonidés, des truites arc-en-ciel, fario, léopard, tigré, omblalis, truite bleue, truite gold, qui sont introduits au sein du parcours de différentes tailles et qui sont également répartis sur tout le site. Vous avez aussi bien des poissons de 300-400 grammes que des poissons de 10, 12, 13 kilos pour les plus gros sujets qui font vraiment la taille de saumon. Tous les poissons sont sélectionnés, triés par nos soins pour avoir des poissons bien conformés pour faire des beaux poissons de sport. Au niveau des populations d'invertébrés, des insectes, vous avez une diversité entomologique d'insectes très forte et ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'activités en surface et faciliter la pêche en sèche à partir du mois de mars jusqu'à octobre sans problème. On va dire que là, les poissons, une fois acclimatés, ont un comportement vraiment intéressant en pêche. Pas seulement parce qu'on pêche en sèche, mais des fois on peut aussi les voir chasser dans des bordures des nymphes, les voir chasser sur du poisson fourrage et on peut pêcher même avec des petits streamers à vue sur des poissons qui chassent. Ça dynamise énormément la pêche et des poissons bien acclimatés comme ça, on s'en rend compte quand on les pêche, à leur comportement et puis bien sûr aussi à la combativité des poissons. Le parcours est ouvert de 8h30 jusqu'à 18h30, c'est la journée traditionnelle et de façon facultative, le coup du soir peut être réalisé jusqu'à 22-23h au mois de juin. C'est ouvert tous les jours de la semaine, il n'y a que le lundi où c'est fermé, de septembre à avril. Au niveau du site, le site de pêche est grand, intéressant et long à pêcher et donc beaucoup de gens vont venir pratiquer une journée de pêche, une demi-journée, mais beaucoup de personnes viennent ici pour faire des séjours de pêche de plusieurs jours. La structure d'hébergement sur place a été prévue pour ça. La structure d'hébergement est constituée avec 5 chambres d'hôtes ou 2-5 chambres d'hôtes et d'un gîte pour des séjours à plus long terme. Donc on peut venir se poser ici au moulin, passer un bon séjour de pêche comme on ferait lors d'un voyage de pêche à l'étranger. Pour les accompagnantes ou les accompagnants, vous êtes aussi en plein parc naturel régional du Perche où il y a beaucoup d'activités nature à faire aux alentours, des balades, des randonnées pédestres, équestres et VTT qui sont à faire aux alentours. Et donc bien sûr, on saura vous recommander ces circuits pour faire des balades sympas. Une autre option très intéressante, c'est si vous venez dans la région du Perche,
vous pouvez profiter de venir au moulin et en même temps d'aller profiter de l'Huisne. On est sur le grand bassin versant de l'Huisne avec tous ses affluents et donc des zones pour pêcher en première catégorie qui sont très intéressantes pour pêcher aussi bien la truite que l'ombre, et on saura vous recommander les meilleurs parcours. L'autre activité au moulin, c'est la partie matérielle. On est distributeur de plusieurs marques américaines, aussi bien de cannes que de moulinets. Pour les cannes, principalement Thomas & Thomas, Winston, Echo également. Et puis des marques de cannes aussi en bambou fendu comme Bellinger, MB Rhodes. Et pour les moulinets, Abel, Bauer, on distribue également les produits Ross. On est assez spécialisé dans les produits américains et aussi un peu italiens. Et le site ici sert vraiment d'essais, de practice pour venir essayer des cannes, avoir le conseil pour pouvoir vous orienter et faire de bons choix, et surtout vous-même faire des essais comparatifs au bord de l'eau avec une marque et puis une autre, un modèle et puis un autre, pour mettre vraiment le doigt sur exactement la canne qu'il vous faut. Et ça, c'est une prestation assez unique qu'on peut faire uniquement au bord de l'eau, qui se fait sur rendez-vous ou lors d'une journée de pêche quand vous venez pêcher tout simplement. Et on a des moulinets et des cannes prévues à cet effet pour procéder au test.